des instruments pour sauver les autres. Si on le fait, la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Donc, en réalité, arrêtons de demander à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Faisons ce qu'on a à faire et Dieu fera sa part. Alléluia. Quand on nous demande de venir avec une âme par mois, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu nous demande de faire, si on le fait, il va s'occuper du reste. Amen. Avant la dîme, on a lu un passage aujourd'hui, Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Dimanche dernier, j'ai parlé de la dîme. Aujourd'hui encore, et je le ferai tous les dimanches, pour que ceux qui ont l'oreille, n'est-ce pas, à l'écoute de la parole de Dieu, puissent comprendre qu'il est important pour nous de comprendre ce mystère. Ce mystère qui est la dîme, que nous puissions nous engager à être fidèles afin d'être bénis. Amen. Dimanche dernier, il était question de l'orgueil. Un pharisien et puis un publicain. Ils sont allés à l'église. Le pharisien dit, moi, je paye la dîme de tout ce que je reçois. Et je jeûne deux fois par semaine. Je ne suis pas pécheur comme ce publicain-là. Et le Seigneur a dit qu'il est orgueilleux. Le publicain n'a pas osé lever la tête. Il a demandé pardon. Dieu dit qu'il est rentré chez lui, justifié. Ce passage est le Nouveau Testament. Cette parabole a été donnée par Jésus-Christ. Ça ne dit pas que la dîme n'est pas importante. Au contraire, jeûner deux fois par semaine, c'est important. Payer sa dîme, c'est important. Mais il ne faut pas prendre ça pour se vanter. Voilà ce que le Seigneur voulait dire. Il voulait dire, il ne faut pas prendre ça pour te vanter. Si tu as construit des églises, tu as réalisé beaucoup de choses, c'est bon. Mais il ne faut pas prendre ça pour te vanter. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Donc lui, c'était l'orgueil. L'orgueil qui a fait tomber Satan. Le moi. On voit ici aussi pour la dîme, dans le Nouveau Testament encore, cette fois-ci, ce qui est indexé, c'est l'hypocrisie. Là-bas, le Seigneur dit qu'il faut être humble. Tu payes ta dîme, c'est bon, mais il faut être humble. Il ne faut pas parler de ça. C'est dans l'humilité là que Dieu bénit. Parce que l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil, n'est-ce pas? Voyez-vous, la Bible déclare que l'un des hommes les plus humbles de la vie, c'était qui? L'un des hommes les plus humbles de la Bible, c'est qui? C'est qui? Ok, mais celui qui s'est signifié même. L'homme le plus patient, c'est Moïse. L'un des hommes les plus humbles, après 40 ans d'école dans le désert, c'est qui? Moïse. Mais il était l'un des prophètes les plus quoi? C'était l'un des plus grands prophètes. Dieu dit les autres prophètes, là, je me révèle à eux, dans les songes. Mais à Moïse, là, c'est vis-à-vis. Il était humble et de son humilité, il était l'un des plus grands prophètes. Dieu veut qu'on soit humble. Amen. Et Dieu ne veut pas qu'on soit orgueilleux. Ici encore, Dieu ne veut pas qu'on soit hypocrite. Il dit, tu payes la dîme des petites choses. C'est-à-dire que tu es tellement fidèle dans la dîme. Mais tu n'aimes pas les gens. Mais tu n'es pas fidèle. Mais tu n'es pas quoi encore? La parole de Dieu, là, tu ne mets pas en pratique. Alors que c'est ça qui est le plus important. Il n'y a pas de plus important ici. Quand on dit plus important, ça veut dire que l'autre est important, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut aimer. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique, il faut être fidèle. Ça, c'est le plus important. Et en plus de cela, il faut faire quoi? Il faut payer la dîme. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc la dîme est biblique, elle est d'actualité. Et la dîme est un instrument de bénédiction. Je l'ai dit au premier culte, Dieu peut se passer de nous. En tout, il n'y a pas un homme qui est indispensable à Dieu. Mais nous, on peut pas se passer de Dieu. Quand tu dis même que tu es intelligent, là, qui t'a donné l'intelligence? Quand tu dis que tu as la force pour travailler, qui t'a donné la force? Quand tu dis voilà le fruit de mon travail, comme ce monsieur dans la Bible, il dit mon âme, repose-toi. Tu en as suffisamment, il a mis dans son grenier. Et puis il dit mon âme, repose-toi. Dieu a dit quoi? Insensé, cette nuit-là, ton âme te sera redemandée. Insensé, cette nuit-là, ton âme te sera redemandée. Pourtant, il n'a pas insulté quelqu'un. Il a tellement travaillé qu'il a beaucoup amassé. Il a beaucoup amassé que son âme s'est repose. C'est pourquoi j'ai dit au premier culte, l'argent que tu as, que tu reçois, il y a la part de... Il y a pour César dedans. Merci beaucoup. Il a dit, à César, ce qu'il y a, et à Dieu, ce qu'il y a. Voilà. Donc, quand tu reçois 10 francs, il y a pour César dedans, il y a pour Dieu dedans, et puis il y a pour toi dedans. Quand tu reçois 1000 francs là, pour Dieu c'est combien? 100. C'est combien? 100. 100 francs. Et pour toi c'est combien? 100. Dans tes 900 là, il y a pour César dedans. Vous savez pour César là c'est quoi? Ce sont des taxes. Si tu vas faire transport Orange Money, tu dois payer César. Si tu veux que tu veux payer ticket, tu dois payer César. Ça va ça? Moi je suis allé en boîte en semaine. Je paye péage, c'est César. Je paye 1250, deux péages. Maintenant, de Yamoussoukro à Tébissou, 1000 francs. De Tébissou à Boaké, 1000 francs. Ça va combien en tout? Ça va 4500. 4500 aller, 4500 retour. Ça va combien? Je mets dans mon propre village. Hein? C'est à qui j'ai payé? César, si je vais payer, je vais prendre le cas, je paye le ticket, je dois mettre combien dessus? 100 francs, c'est César. Donc, ton argent que tu reçois, il y a pour César dedans. Et puis, pour César, si tu ne payes pas, tu vas avoir problème à lui. Hein? Il y a pour César, tu t'as inscrit ton propre enfant à l'école, il y a pour César dedans. C'est pas ça? Donc, quand tu reçois l'argent, il y a les impôts du pays dans lequel tu es. Tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a ce qui veut dire à qui? Il y a pour Dieu. C'est pour Dieu qu'on ne veut pas donner là. Et puis, il y a ce qui te revient. Il y a pour toi-même. La fonction que Dieu a mis en place, c'est pour distinguer ceux qui obéissent. Ancien a essayé de reprendre ce que j'ai dit au premier culte. Et je le dis encore. Tu as le droit de déterminer le point d'accès de Dieu à ta vie. C'est toi qui permets. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu ait accès à ta vie de façon grandiose, tu vas le faire. Quand Jésus passait en Samarie, les Samaritains ont dit non, il ne faut pas passer ici. Ils l'ont empêché. Jésus est passé où? Il allait passer ailleurs. Donc, c'est toi-même qui détermine le niveau d'accès de Dieu à ta vie. Si tu obéis, Dieu est présent dans ta vie. Plus tu obéis, plus sa présence est manifeste. Alléluia. Tu n'obéis pas, Dieu se retire parce que Dieu ne se plie pas. Salomon, Dieu l'a aimé, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu a aimé Salomon. Mais quand Salomon a commencé à donner dos à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est retiré de lui. Même David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a commencé à pécher, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit de choisir les fleurs qui devaient lui arriver. Il y avait trois. De choisir. Quand Samson, Dieu l'utilisait pour terrasser les gens, les peuples, et il a commencé à jouer, qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux ont été crevés. Il a devenu un jouet dans la main de ses ennemis. Donc, chez Dieu, il n'y a pas enfant gâté. Ce sont ces principes qu'il faut appliquer. Tu vas être béni, applique sa parole. Dis Amen. Et l'une des paroles de Dieu, c'est d'être fidèle. Il dit, les dîmes là, c'est les petites choses. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans ça, qui va te confier d'autres choses? Si dans l'argent là, tu n'es pas fidèle dedans,
Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, parce que pour lui, il voit l'argent là. Il veut voir ton cœur. Sinon, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Est-ce que Dieu a eu besoin de quelqu'un pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans? Il a eu l'aide de qui pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans? Il a eu l'aide de qui pour faire pleuvoir le pain du ciel pour les nourrir? Il a eu besoin de qui pour envoyer la viande? Et puis c'est les cailles. Allez nous voir ce qui représente les cailles. Il a eu besoin de qui pour leur donner l'eau du rocher? Et le rocher s'est déplacé pour les suivre. Il a eu besoin de qui? Il a eu besoin de qui? De quel médecin? De quel hôpital? De quel CHU? Pour que des millions de personnes puissent enfanter tranquillement. Il a eu besoin de quel magasin de chaussures pour les entraîner dans le désert? Non. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu veut nous bénir. Voilà un peu ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il nous demande, il veut nous bénir. Et il veut voir qui est prêt à recevoir sa bénédiction. Soyez fidèles dans les dîmes. La dîme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la dixième partie de ce que tu reçois. Il y a un jeune pasteur, un étudiant pasteur qui allait m'interroger après le premier culte sur ça, à plusieurs niveaux. Je pense que ça peut vous aider aussi. Il m'a demandé, mais si tu reçois quoi là? Quelles sont ces choses-là? Il a posé plusieurs questions. L'une des questions, c'est si tu reçois l'argent pour aller payer ton école, est-ce que tu dois donner ta dîme? Il dit, mais c'est pas pour toi. Tu as reçu l'argent pour aller payer quoi? Ton école, va payer son école. Tu as reçu l'argent pour aller payer ton école. Tu es un élève de terminale. Ton papa au campement, il t'a donné l'argent, va payer ton école. Et tu vas venir enlever une dîme dessus. Est-ce que c'est pour toi? Non. Tu es un étudiant parce qu'on t'a donné l'argent, va payer ton école. Tu payes ton école, il n'y a pas de dîme dessus. Il m'a aussi dit, si tu reçois l'argent pour faire les affaires, tu reçois l'argent pour faire les affaires, tu reçois 2 millions pour faire tes affaires, tu ne payes pas 10 sur les 2 millions. Mais quand tu vas investir dans l'affaire là, les bénéfices que ça va te donner, tu as investi 2 millions dans l'affaire de voiture, tu as retiré tes 2 millions et les autres charges, tu les as retirées. Ton bénéfice, c'est 500 000 francs. Ce qui te revient là, c'est 500 000 francs. C'est sur ce qui te revient là. C'est sur ça que tu payes quoi? La dîme. Amen. Donc, la dîme, c'est 10%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser là-dessus? Si le pasteur est parti me trouver pour me poser une question, je suppose qu'il y en a aussi qui peuvent avoir des questions. Quelqu'un a une question qui le dérange concernant la dîme? Une, je vais accepter une question. Oui? Oui? Oui, maman. Non, ouais. Non. Si monsieur te donne l'argent, merci beaucoup, c'est bien. C'est important. Si on t'a donné l'argent de popote, c'est pour popote. L'argent de popote, là, c'est popote. Parce que l'argent de popote, là, des fois, vous voulez dedans. Dieu ne bénit pas les voleurs. Si tu as volé ton mari, tu es voleur. Tu as volé ton papa, tu es voleur. Dieu ne bénit pas les voleurs. Donc, on n'en est pas la dîme dedans. Ah, tu as compris, non, ma fille? Ça, c'est pour gérer pour toi. Maintenant, si tu as donné ton argent de poche, ça, c'est pour toi. Il t'a dit, ma chérie, ça, c'est l'argent de papa. Maintenant, tiens tes 20 000 francs pour toi-même. Ça, c'est ce qui te revient. Donc, pour toi, là, dans tes 20 000 francs internet, tes 2 000 francs, tu payes ta dîme. OK? Oui. Et pas. Ouais. Oui, oui. Concernant quoi? Oui, oui. Oui, oui. Tu reçois 2 millions pour aller faire ton affaire. C'est ça, non? Oui. J'ai répondu à ça tout à l'heure, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un peut l'aider? Tu vois, si tu as reçu 2 millions pour aller faire ton affaire, va faire ton affaire, tes 2 millions. Quand tu vas gagner le bénéfice,
après l'investissement, c'est en bénéfice là. C'est là que tu payes la dîme. Ou bien tu n'as pas bien compris quelque chose. Ou bien tu n'es pas d'accord. Hein? Non, ce n'est pas bien rentré. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui. À la somme de 2 millions. Oui. Là, peut-être que ça donne intervention, ça reste dans ce cadre. Maintenant, si par exemple, moi j'ai envie de dire, quelqu'un vient par grâce, qui contient 2 millions, lui se sent à l'aise par rapport à l'explication. D'enlever. Non, mais il faut lui. Ah, c'est lui, il est là. Lui, il est là. C'est quoi? Ton argent, c'est quoi? Tu as dit que a fait, non? Moi, ça a fait qui est tombé dans mes oreilles. Oui, vas-y. Là, oui. Il faut te lever, tu as bien parlé. Oui? Ouais, ouais. Attendez d'abord. Oui, il reçoit. Ouais, ouais. Oui, oui. 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 Il faut prendre des dents pour payer. Oui. Ce qu'il dit là, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit hein? Il a dit pour le cas du prêt. Oui. Parce que quand tu prends prêt, il y a des engagements. Oui. D'abord, la banque même prend déjà les frais et tout ça. Oui. Là, je suis d'accord. En fait, tu veux payer dans le fait. Puis tu prie au Seigneur, il veut 2 millions. Et puis, Mathieu, quelqu'un t'appelle, il dit bon, tiens, tes 2 millions, c'est pour toi, il faut prendre ça. Moi, je pense que quand tu reconnais ça, on peut mettre. Oui. C'est ce que moi je vois. Ok. Donc, je suis d'accord aussi. Mais comprenez ce que je dis là. Ok. Recevoir là. Tout ce que tu reçois comme don, tu payes la dîme. Tout ce que tu reçois comme don, tu payes la dîme. Mais si tu as besoin de 2 millions pour payer un taxi, et puis tu reçois 2 millions, si tu en as 10 millions, est-ce que ça fait 2 millions encore? Ça ne veut pas 2 millions? Quand tu vas faire taxi là, est-ce que ça va générer des bénéfices? Les bénéfices là, tu payes ta dîme. Maintenant, moi, je suis par exemple un éducateur. Ok? Mon rappel vient. Je reçois mon rappel 5 millions. Je vais faire les affaires, n'est-ce pas? Mais je reçois mon rappel. Ce que je reçois là, je paye ma prémisse, je paye ma dîme avant d'engager mes affaires. Est-ce que tu comprends? Tu comprends, non? Voilà. Donc, il ne faut pas figer la chose, quoi. Dieu, il est sage, hein. Son objectif, ce n'est pas notre argent. L'or et l'argent appartiennent à qui? Mais il veut voir notre cœur. Parce que souvent, notre fidélité, là, démontre notre attachement à Dieu. Maintenant, si toi, tu as reçu 2 millions, tu veux faire une affaire, peut-être que ton affaire, c'est 1,5 million, et puis tu as reçu 2 millions. Tu es convaincu de payer ta dîme, ta prémisse. Tu le fais. Tu le fais, il n'y a pas de souci. Parce que tout ce qu'on fait discrètement avec Dieu, si on le fait de tout notre cœur, Dieu aussi nous bénit en retour. Amen. Amen. Quand tu t'en payes une colle, tu reçois l'argent de popote, on t'a donné l'argent pour faire une affaire, tu dois investir. C'est le capital. La dîme vient sur quoi? Le bénéfice. C'est pourquoi souvent les Africains tombent dans les Africains, ils mélangent tout. Hein? Ça rentre, il en est dedans, allez-y, vous finirez avec. Ça rentre, il met dedans, allez-y, fais ça avec. Ça rentre, il prend dedans. Allez-y, ça, Diak Asemi est bien placé pour nous expliquer ça. Quand on mélange tout, tout se mélange. Il y a beaucoup d'entreprises, ça marche, mais les gens n'arrivent pas à payer les employés parce qu'ils sont en train de parrainer. Et quand ils viennent, le comptable donne, nous, ils sont parrainés avec, ils sont fait finir avec. Non! Tout ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient là, même le bénéfice même ne t'appartient pas. Le bénéfice, c'est à ceux qui ont travaillé dedans. C'est dans le bénéfice, on va enlever quoi? Les factures. C'est dans le bénéfice, on va enlever, ou bien, ce qu'on a fini d'enlever là, dans les chiffres d'affaires. Donc, il y a ce qui te revient. Ce qui te revient là, c'est dans ça. Maintenant, toi, tu peux faire tes... Voilà, il faut payer les employés. Moi, j'ai dit aux gens, vous avez une entreprise, ne laissez pas les gens pleurer dans leur maison parce que vous ne leur avez pas donné l'argent.
Oui, tu avais des entreprises de Madame Costa, tu as chose. Ne sais pas pleurer les gens. Vous qui embauchez les servantes, les répétiteurs, ça, c'est mon principe. Il ne faut pas dire, et si vous pouvez avoir mon argent. Les gens de Kuwait, là, les enseignants de Kuwait, j'ai pensé que ce vendredi, c'est la fin du mois. J'ai dit à la directrice, je vais tout faire pour venir vite. Et puis après, je me suis rappelé que le vendredi, c'est pas la fin. C'est l'autre vendredi. Voilà, monsieur Dieu qui est là-bas, je l'ai envoyé là-bas. Le mois finit net, je leur donne leur argent. Vous n'avez pas quelqu'un à la maison? Quelqu'un a levé la main derrière. Oui, c'est qui, mon ami Yao? Oui, allons-y. Mais n'y est pas, c'est bon, ça va? Prémisse là? Oui, oui. Tu veux que j'explique prémisse? Prémisse là, ça veut dire le mot veut dire quoi? Premier. Ça y est aussi dans la Bible, hein? Hein? Abel, Caïn et puis quoi? Abel. Tu es un fonctionnaire, c'est un exemple, hein? Ou bien tu fais tes affaires. Le premier bénéfice que tu reçois, en premier, c'est le premier. Le premier salaire que tu reçois, hein? Tu peux dire, non, le premier salaire là, je donne ça au Seigneur. Ma première bourse là, je donne ça au Seigneur. C'est ça, prémisse là. Oui. 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 Donne au Seigneur. Oui, ça c'est une prémisse. Ça c'est une prémisse par rapport à ton salaire. Tu comprends, non? Voilà. Donc, dans prémisse, il y a premier. Et c'est ce qui a fait que Abel a été distingué. Caïn, non. Quand vous lisez la Bible, il déclare que Caïn, dans ses premiers animaux-là, il a pris un et puis il a dit quoi? Caïn, Abel, pardon. Et Caïn, il a dit les restes. Quand vous lisez, on parle des restes. C'est parce que l'autre était sanglant et puis l'autre était parce que l'autre était berger, l'autre était agriculteur. Mais Dieu regarde au cœur. Ton offrande, là, ça va te relier à ton cœur. Si c'est une offrande méprisante, ton cœur le dit. Si c'est une offrande qui est importante, ton cœur fait quoi? Ton cœur fait quoi? Regardez un peu comment est-ce que Abraham est parti offrir Isaac. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été facile? Surtout quand Isaac lui a posé la question, papa, on s'en fait sacrifice au. Voilà le bois, voilà le feu, mais où est l'animal? Oui. Ça me fait tourner. Ouais, ok, allons-y. Oui. Oui. Oui, oui. Voilà, parce qu'on dit, dîme. Mais c'est dîme là qui est dixième là. C'est le mot dîme là qui est dixième. Quand tu prends Matthieu 23, 23, 20 de lire, la dernière fois, il y a lu un passage. Même Hébreux 7, 1 à 10, ça ramène encore la dîme de. Dîme, le mot dîme là, ça veut dire la dixième partie. Mais je comprends ce que tu veux dire. Dans le Nouveau Testament, on doit faire plus. On doit faire plus. Jésus a dit, avant là, on vous a dit que si quelqu'un t'a insulté, t'a giflé, il faut gifler. Maintenant, moi, je dis, si on te gifle ici, il faut donner l'autre. C'est pas ce que Jésus dit. Avant là, si tu as touché la femme de quelqu'un là, tu as commis l'adultère. Maintenant là, si tu l'as regardé simplement et puis tu l'as convoité, tu as déjà commis quoi? Adultère. Vous comprenez pas? Ça devient plus fort. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner la force. Maintenant, le Saint-Esprit n'a pas le Saint-Esprit constamment là. Mais nous, on est équipés maintenant. Donc, on doit faire plus. Il nous demande d'aimer plus. Si on t'a arraché un habit, au lieu de pleurer, il faut donner un deuxième habit. Ouais. Donc, ça veut dire que dans le Nouveau Testament,
Vu qu'on est équipé de la présence du Saint-Esprit, on est dans un temps de grâce où l'équipement est là. On doit faire quoi? On doit faire. Ça nous interpelle sur l'évangélisation. Parce que ce qu'on fait là, est-ce qu'on fait mieux que les gens de l'Ancien Testament? Notre amour, l'amour qu'on prouve pour Dieu, est-ce qu'on le fait mieux que les gens de l'Ancien Testament? David, comme ça, qui donne tout pour construire une maison. Dieu dit, tu ne construis pas, mais ça rend, il donne tout. Nous qui avons le Saint-Esprit aujourd'hui, là, si David était là, notre époque, avec l'amour qu'il avait pour Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire pour Dieu? Ça allait être grand. En fait, on n'est pas visité parce qu'on n'aime pas véritablement Dieu et on ne pose pas des actions qui prouvent qu'on aime Dieu véritablement. Le culte est comment? C'est transformé en étude biblique. Hein? Alléluia. Mais c'est bon, si on comprend, c'est bon. Oui? Ouais, ouais. Oui, oui. Comme la Bible dit, que ce soit fait selon ta foi, oui. Peut-être au dernier moment, quand ce que je vais faire, Dieu peut se manifester. Parce que c'est que la main qui est là, Dieu n'a pas donné la vie. Donc je me dis que la main de Dieu n'est pas la suite. Donc comme la Bible dit, dans la Bible, on est sur le là. Oui. Il y a une Dieu qui a donné la vie, tout ce qu'elle avait. Mais ça permet aussi à Dieu de bon, j'ai compris ce que tu as dit. On ne met pas foi dans tout. Sinon, un beau matin, tu vas te lever, tu vas demander, cette dame-là, c'est qui? On te dit, c'est la femme du voisin. Tu vas dire, ah, on ne sait jamais. Je vais m'approcher, peut-être que Dieu peut me donner la femme-là. Peut-être que Dieu peut me donner la femme-là. Donc, à partir du moment où c'est femme de quelqu'un, la parole de Dieu t'interdit ça. On ne met pas foi dans tout. C'est ton exemple, ta façon de faire qui va mener ton mari à payer sa dîme. Moi, quand j'étais au camp militaire, il y a une dame, mon ami Yapi, son mari était officier, on me dit qu'il est commissaire. Mais son mari lui donnait sa dîme, elle venait payer continuellement. Et après, il s'est converti. C'est moi qui l'ai reçu, qui l'ai entretenu. Il dit, si je suis venu ici, c'est à cause de ma femme. Quand ma femme me donne des conseils, je ne suis pas, mais ça finit par arriver. C'est qu'elle dit là. Ce qui finit par arriver. Donc, elle craint Dieu. Et le monsieur s'est converti, s'est baptisé. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il est commissaire. On devrait avoir qui? Qu'il n'est pas officier de police en ce moment. Donc, c'est toi qui dois dire à ton mari, si on fait ça, la grâce de Dieu sera bien. Tu es une femme soumise. Ah, il y a ça aussi. Si il dit 1, tu dis 10. Tu le dis, et puis après, tu viens de parler de Dieu. Non. C'est selon ce qu'on voit en toi, c'est ce qui fait quand tu parles, on t'écoute. Donc, tu n'as pas dit non. Comme mon mari ne paye pas, dit l'argent de popote là, je vais enlever les dents pour aller payer, dit, et puis Dieu va le couvrir. Dieu ne bénit pas les voleurs. C'est du vol. Parce que tu l'as fait subtilement. Tu n'as pas eu son accord. Non, mon mari, l'argent de popote là, quand il donne là, pour ajouter ça, on va payer dîme. Là, Dieu va. Voilà ce que Dieu dit. Mais pourquoi les autres arrivent à convaincre le mari de Pierre? Hein? Donc, on ne peut pas faire ça. Tu comprends, non? Je ne sais pas si tu m'as compris. Voilà. La Bible, il faut faire ce qui est juste. Et puis, Dieu te bénit. Est-ce que ça va? On va s'arrêter là. Tu avais une autre question encore? Toi, tu ne payes pas dîme? C'est toi qui lèves la main. Même socialement, là, tu ne payes pas. Tu veux parler dans notre affaire de dîme. Oui, ouais, tu as dit quoi? Nous sommes des artistes. Ouais. Alors, souvent, dans le temps, ouais. Ouais. Et c'est caché là. On n'arrive pas à arriver. Pourquoi tu n'arrives pas à enlever? C'est parce que c'est caché. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah oui. D'abord, il faut accepter que la dîme est le bien que Dieu a mis pour que tu sois béni. Si tu veux, là, tu peux. Dans le temps, là, tu veux payer ta dîme. Quand tu veux ça, caché, tu ne veux pas payer dîme. Quand tu venais à qui t'empêchait? Voilà, moi, mon enveloppe. Si je reçois l'argent, j'en ai, je mets dedans. Et puis, ça y est là. Je suis convaincu que ce n'est pas pour moi. C'est pour le Seigneur. C'est pour l'alliance que j'ai avec lui. En fait, c'est une alliance. Quand tu es dans l'alliance, moi, je suis dans l'alliance de santé avec Dieu. Quand on est parti au village, parti avec mon neveu. On est parti à Soublé, Soublé, Boaké. Il est KO. Hier, il est parti à l'hôpital. Daniel, il est KO. Il a fait les examens. On dit que par lui, il y a beaucoup dans son corps. Mais pourtant, c'est moi qui conduisais. Mais au village, j'ai commencé à sentir. Et j'ai dit, Seigneur, je suis en alliance avec toi. Je suis en alliance avec toi. Je suis en alliance. Par lui, il est parti. Maladie, que ça soit son nom. Je suis là, Dieu. J'ai deux fois, trois fois son âge. C'est moi qui conduisais. On est passé dans plein de coins. Lui, il est KO. Actuellement, il est en train de se soigner. Donc, quand on est en alliance avec Dieu, il y a ta part et puis il y a la part de Dieu. Voilà l'alliance. Donc, la dîme aussi fait partie de l'alliance. Dieu a dit à Yodepo, mon fils, la prospérité financière, ce n'est pas prière, ce n'est pas jeûne, c'est ta fidélité. Quand il a compris ça, il a crié, je ne serai plus jamais pauvre. Vas-y, venez le comprendre. Il dit, il y a des personnes qui viennent demander comment il fait qu'il est prospère. Il dit, si je vous dis, vous n'allez pas croire. Un qui a insisté, il dit, je paye la dîme de l'église, de mon entreprise. Le gars, il sert son visa et puis il s'en va. Donc, ça veut dire que si tu veux faire, tu peux. Si tu n'es pas prêt à faire, on va te faire. Où tu es là? C'est caché. Tu n'arrives pas à faire. On va changer caché. On va t'envoyer salaire. Tu ne pourras pas faire. On va enlever salaire. On va t'envoyer don. Tu ne pourras pas faire. On va changer en tout. Tu ne pourras pas faire. Mais si ton cœur est déterminé à faire, que ce soit salaire où tu vas faire, que ce soit caché où tu vas faire, que ce soit don où tu vas faire. Donc, ce n'est pas le titre caché qui fait. Tu prends, tu mets de côté. Au début, ça sera difficile. Mais au fur et à mesure, tu vas voir que tu le fais aisément et facilement. On a mis assez de temps dessus.